Bon, mais voilà, on est revenu sur le spot. Cette fois-ci, c'est la vengeance. Je suis. Voilà, tous mes équipements sont bien montés. Voilà, Tresse, on est en tête de ligne fluorocarbone. De toute façon, je montrerai tout ça pendant la vidéo. Voilà, il n'y a personne sur le spot. Il y a eu un petit passage vite fait, mais c'est un pêcheur du bord, donc. Aidez tranquille. On a notre pote qui va arriver, Alex de la bouillie éternaise. Voilà, il va me fournir aussi quelques graines. Gros merci à lui aussi. Madame est en train de décharger là-bas. Voilà. Allez, on va se préparer tranquillou, tranquillement, tranquille. Bon voilà, cette fois-ci, alors stratégie, toujours les graines. Là, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est comme graines. Il faut savoir que c'est 5 euros les 5 kilos. On va y agrémenter de quelques tiger nuts. Il y a moyen que ça marche, on verra. Ensuite, on va y rajouter des tiger nuts qui sont au piment. On va mettre le... Bon, il y en a assez. Bon, mais on va écher de quelques tiger nuts. On va faire aussi des mélanges. On va tester pas mal de choses. Comme d'habitude, on verra sur quoi ça tape le premier. Regardez ce qu'on a trouvé, regardez. Il a déterré un truc. Voilà, c'est sûr, commencez bien quoi. Voilà ce que je viens de me planter dans la chaussure. Oh, regarde ça quoi. Alors voilà. Attendez, je vous le montre. Un gros meçon. Oh mon dieu, c'est le requin la langue. De la pêche au cassan, voilà. Regardez-moi ça. Oh purée. Voilà, ça commence. Alors c'est très très vieux, c'était enterré là, c'était ici. Ouais. Voilà, c'est ici, la pointe elle était dépassée donc ça s'est planté, mais heureusement j'ai mon flotube à côté, je vais juste le gonfler. Ouais, ça, je suis content que c'est moi qui l'ai pris de le pied, comme ça moi je le trouve et voilà, ça finira la poubelle. Eh oui. Bref, on continue. Voilà, ça rigole plus, la tête de ligne machin, là je suis vraiment monté comme. Hein ? Bah, je suis monté comme les vrais carpistes là. Eh bien c'est parti, on va poser la dernière canne, à de suite. Poisson, un gros cheval. Ça a quand même tiré sur le plomb, mais. Ouais. Bon, allez, on va ramasser du bois pour le barbecue ce soir. Ça sera fait. Et comme ça, on nettoie. Ça nettoie un petit peu. On va ramasser du petit bois mort, de toute façon j'ai du charbon au pire si jamais. Et revenons sur le spot tranquillement. On va ramasser du bois en passant par-ci par-là. Bon alors ça déroule là hein. Ça non. Ça n'a pas déroulé. Je vais me faire un arc pour chasser le repas de ce soir con. Tu vois ça va très bien là. Bon les gars, on va chercher des flèches. Attends, je la mets comme ça, je sais ce que je veux, c'est mes flèches de toute façon. Voilà, comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Bon, je reviens, je vais chercher le gibier. Et après, on fait le feu. Ça a bougé là. Oh, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Oh putain, quoi, la pizza jambon que j'ai eu, quoi. Ah, ça a bougé, ça a bougé, ça a bougé là-bas. Je l'ai eu. Oh, j'ai eu la dinde. Dinde sauvage, les brochettes de dinde sauvage. Extra tendre. Deux gibiers, quoi. J'ai eu la jambon...
la jambon galinette sauvage. Et j'ai eu la dinde des Alpes sauvages. Avec 30% ah ouais. En caisse en plus. Ah oui. Regardez les gars. Un beau gibier là, une pizza sauvage et de la dinde sauvage. Voilà. Tu fais quoi là? Hein? Tu fais quoi là? Rien, je remets la sauce. Ah bon? Alors Micheline, alors, qu'est-ce bonjour que tu nous prépares? On va faire une bonne dinde sauvage. Ouais. On va faire du trempage. Mmh. Voilà. Oh là là. Mmh, fameux. Et qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Je vais faire la cuisine. Hein. Ah oui? Et ouais, de la dinde sauvage avec une pizza au feu de bois barbecue. Quoi? Ouais. Voilà. Alors Maïté, qu'est-ce qu'on a là? On fait la pizza sauvage. Est efficace. Bon ben, à tout de suite pour le résultat. C'est trop bon. Oh, elle est belle. Ah, elle est belle. Oh putain oui. Voilà. Elle est balèze. Trop belle. Elle est magnifique. Elle doit faire 8. Je sais pas. J'ai pas trop l'habitude, c'est la première fois que. Je sais pas, on dirait 8 kilos. Ouais. Double tiger nut. On va la mouiller un petit peu. Voilà, on regarde un petit peu. Enfin, on a décapoté. Ah oui. Putain, elle était temps la première. Ah ben voilà. On l'appelle Coco de Rivière. Ah, on va dire, elle est 6-8 kilos peut-être. Une fusée. Ah, franchement, merci. Ah ben ouais. Elle est magnifique. Magnifique, belle coco de rivière. Elle est jolie. Oh là là. Allez, elle doit faire une petite 6-8 kilos. Ah oui, comme il faut, ouais. Ouais, franchement, elle est énorme. Elle est trop trop belle. Regardez-moi cette bouche. Regardez-moi cette bouche épaisse de rivière. On l'a bien mouillée. Et on va aller faire le release tranquillou. On va faire 2-3 photos. Et puis voilà. Ça y est, les potes, on a fait réussi. Oui. Wouh, il était temps, hein. Ah bah ça y est, gros pouce bleu, c'est mérité après tous les déboires qu'on a eu, les casses, les démachins, les trucs, voilà, c'est quand tout 5 casses. Hein. Voilà. Ça y est. Moi, ça y est, une belle coco, franchement, 10 kilos facile. Elle fait plaisir, méga plaisir celle-là. Difficile pour la remettre à l'eau, mais ça y est, elle est partie, je l'ai contrôlée quand même, je fais pas ça n'importe comment. Voilà, on l'a bien mouillée, on l'a pris en sécurité. En fait, ça y est, une première coco. Ah bah oui, ça y est. Ça y est, on est des carpistes quoi. T'es pas fait mal quoi. Hein? Tu t'es pas fait mal? Putain, je me suis gâté en sortant des trucs, j'ai fait un vol plané, mais pas le choix. Tu mets... Bon voilà, le réveil en fanfare comme vous avez vu sur la vidéo. En fait, ça y est, on a décapoté. Ça y est, enfin. Désolé, il manque un peu l'humidité, c'est le lever du jour. On se remet de nos émotions, on va dire. Ouais, en plus, quand tu vois rien, j'ai un gros arbre sur le côté gauche, il faut gérer quoi. Celle-là, je l'ai assurée un maximum, mais voilà. Enfin, une belle idée. Donc, on dirait qu'elle faisait entre 8 et 10 kilos. Ouais. N'hésitez pas à nous dire, selon vous, combien elle faisait. À 1h du matin, on a eu un départ où je ne dormais pas encore. Et je me suis fait tanker et j'ai cassé au bas de ligne. Donc là pour le coup mon montage il a bien tenu, surtout le bas de ligne qui a cassé. Finalement là un gros départ, gros bip, tu vois des familles là, donc je me suis rétamé par terre, j'ai trébuché, mais y a pas moyen quoi, je la voulais la carpe. The River Monster Carp. Yeah. Ça y est. Bon allez c'est parti, relance du matin, on remet valeur gagnante, la tiger nut,
bouillette tarnaise. Merci Alex. Allez, deuxième journée, on va tendre les lignes et voilà, on se retrouve tout de suite. Bon voilà, en attendant qu'on ait peut-être notre départ d'une carpe, on va vous présenter vite fait un petit truc que vous connaissez déjà, c'est la carpe box. Carpe box, pour ceux qui ne savent pas, vous retrouvez tous les mois par abonnement ou sans engagement. D'ailleurs n'hésitez surtout pas, vous avez voilà, la possibilité d'être sans engagement, de faire pour une fois pour découvrir, si jamais de vous abonner. Et tous les mois vous recevrez une box avec dedans plus de 40€ de produits de chez Carpe Box. Donc voilà, bien sûr pour la carpe. Donc là, on a celle du mois de juin, voilà pour ranger les bas de ligne. Donc c'est tout en mousse. Donc, vous enroulez vos bas de ligne à l'intérieur. Tiens, on va prendre ça. Donc c'est des ultra pop-up en plastique. Donc c'est en mousse, en plastique en fait. Mousse. Voilà, que je pourrais d'ailleurs tenter sur la session là. Du fil, voilà, pour créer vos bas de ligne. Ouais, bas de ligne. Donc c'est là, c'est Starbait. Hop là. Alors ça c'est un boost. C'est à la base de maïs. C'est carte obsession qui fait ça. Alors ça c'est pour des montages zig. Des zigs. Ah, des montages zig en fait, vous venez visser votre hache. Il y a une petite mousse aussi pour ceux qui connaissent, pour les appâts semi-flottants, pour faire des montages équilibrés, comme le liège en fait tout simplement. Hameçon et Abusa. Hop. Donc à mon avis hyper piquant je pense. Donc là c'est du 8, donc un peu petit pour la rivière. Mais qui est valable pour les lacs et autres. Ouais, ça va bien. Donc, et ensuite, après... nous avons des autocollants. Bon, ça, c'est Yabusa. Bon, bref, ouais. Tous les mois, vous recevrez ouais, plus de 40€ de produits et qui sont différents les uns des autres. Et puis, par moment, aussi des petits cadeaux, je pense. Donc, voilà, gros merci à eux. N'hésitez pas à aller les voir sur Facebook. Voilà, c'est tout pour nous et on continue la session. Hein. Mais remonte, hein, qu'est-ce que tu fais? Tout ça parce que je lui ai dit, en fait, elle était allée se baigner, que sous la berge, il y avait un gros trou. C'est vrai en plus. Du coup, elle a flippé, regardez là. Voilà. Quoi, voilà. Ce que tu peux dire aux abonnés, là, c'est ce qui s'est passé, là, 10 minutes avant. Vas-y, raconte un petit peu. J'ai mal ferré la carpe. Au lieu de mouliner, j'ai ferré comme si c'était un silure et bien j'ai raté. Voilà, en fait, t'as oublié qu'il y avait le frein débrayable. Et du coup, t'as levé la canne sans le déclencher. Et t'es allé stanquer. Et on l'a raté. Et c'était une dispute encore. Ah, c'est bien. Bravo. Mais là, t'es puni. Non. Si. Non. C'est plus gros là, c'est plus gros. Oh mais c'est abusé ce départ de ouf que j'ai eu, j'ai pas pu filmer mais franchement le départ de malade mental, t'as vu ça un peu? Elle me fait comme l'autre, elle vient, j'espère. Tu vois tout à l'heure c'est pareil, je crois que j'avais décroché quand t'as fait ça. Oh là 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 là. C'est bon ça, j'ai déposé il y a quoi? Même pas 20 minutes là. Une grosse demi-heure, allez. Allez, je sais où elle va aller, attention. Hein. Ah ouais, par contre, faut pas qu'elle parte à droite sur l'autre canne, putain. J'ai pas de plus à ça. C'est parce que j'ai pas récupéré assez de fil, j'avais pas de contact.
Allez, petite dépose du matin là, après la touche de la nuit à 5h du matin là. Et voilà, une demi-heure après. Ouais, ouais. Allez, départ numéro 2 de la journée. Mais grave, hein, purée, locomotive. Ah, ah, une miroir. Non, non, c'est pas question. Non, non, là, faut que je la sauve. Oh, c'est une miroir. Oh, c'est une miroir. C'est grave, on va en faire d'accord. Ouh, c'est beau ça. Ah, yes. Ah, c'est bluffé là. Yes, yes, yes. Pas trop romantique, c'est rouge, s'il te plaît, ce qu'on prend la focale. Oh, les potes. Allez, je vous la montre où enfin. Oh putain, la miroir, elle est magnifique. Ah, putain, hein. Oh putain, je suis trop content. Oh yes. Voilà, belle miroir, doit faire d'aller, je sais pas trop, 6 ou 8 kilos, je dirais plutôt 8. Ah ouais. Franchement, elle est trop belle, je sais pas ce que vous en pensez les potes. Moi j'aime pas ce qu'elle est belle, hein, franchement, génial. Trop belle titine. Génial. On va la mouiller, et on va vite faire le release, voilà. Prends soin d'elle, tout doucement sur le tapis de réception. Regardez-moi ce monster. Ce monster. Voilà. Ah, elle est magnifique. Ouah, on est refait là. Un départ à 1h du matin, donc on est arrivé hier dans la matinée. Ouais. Ensuite on a eu un départ que dans la nuit à 1h du matin. Ouais. Beaucoup de débris dans l'eau, c'est difficile à passer les lignes. Ensuite départ cassé à 1h du matin, donc justement ce que je disais. Et départ à 5h du matin où je fais la coco. Ouais. Et là on vient de réinstaller sur les alentours de 8h du matin, tant que je remonte tout. Et une grosse demi-heure après, boum, ça pète. Hein. Et on se fait cette belle miroir. Elle est magnifique. Ouais. Allez les potes, on fait le release. Ah ça y est. Et voilà. Elle est remise. Regardez là. Eh ben. Vous devez ma titine. Au revoir. Voilà, on est refait les potes. Alors, quand tu fiches pas pêcher la carpe. Eh ben voilà. Poète. Bref, un autre pouce bleu pour celle-là. Franchement, elle est magnifique. Une belle miroir. Toujours à Tiger Night. Hein. On a déposé une demi-heure après. Quoi. Comme il y a pas longtemps qu'on a déposé. Quoi. Je voulais absolument déposer ce matin pour faire le coup avant midi parce qu'il va faire très chaud. Et finalement, ça n'a pas loupé. On a sorti deux poissons pour l'instant. Beaucoup de départs. On a eu une casse nette. Enfin, une casse tankée à l'hameçon. Donc cette fois-ci, voilà, le montage est parfait. C'est juste au niveau de l'hameçon parce qu'elle était tankée. Voilà, ça arrive. Hein. Voilà, on a fait beaucoup de départs, quoi. Je sais plus combien d'années, on est à 5 départs je crois et 2 poissons sortis, franchement c'est un truc de ouf. Ah ouais, c'est elles sont hyper violentes, on n'a même pas le temps de réagir limite, c'est un truc de fou. Bref, nous on va manger pour cette fin de soirée, le dernier dodo, mais je pense que je vais être assez éveillé cette soirée-là pour essayer de faire un autre fiche. Ouais, je pense qu'on va être excité avant de partir. C'est ça, en plus il y a l'orage qui se prépare donc on va pas pouvoir rester longuement. Bref, nous on fait de gros bisous et on vous donne rendez-vous peut-être au prochain poisson. Yeah, à de suite.